J'ai trouvé une famille à la CFDT. Je peux rencontrer du monde, je peux discuter. Le débat existe à la CFDT. Le sentiment d'être utile aux autres, surtout. On sait composer, on sait faire attention à l'autre, on sait se respecter. Surtout, l'important, c'est l'écoute. Ma carte, j'ai dû la prendre en 97, donc ça remonte quand même à un petit moment. Je travaille dans la viticulture à Saint-Émilion. Je suis cadre dirigeante. Et bah, bizarrement, je trouve que les directions considèrent les syndicalistes comme des casse-pieds, mais ils devraient partir du principe que les gens qui s'impliquent dans le syndicalisme sont des gens qui s'intéressent à l'entreprise. Je suis syndiqué depuis les années 80. C'est fou qu'on a impliqué là-dedans, on y a mis le doigt, puis après, ça part. Je pense que c'est un peu un tout dans ma vie. Même si je ne prétends pas faire de grandes choses, je suis impliquée associativement aussi. Je fais partie du conseil d'école de l'école de mes enfants. Je m'implique au niveau de l'association de parents d'élèves. J'essaie de faire des choses après, voilà, comme tout le monde. Oui, alors le moteur de l'action syndicale, c'est, je pense, bah, d'aimer les gens, d'aimer qu'ils soient bien dans leur travail, voilà, et puis de s'intéresser un petit peu à, voilà, ce qui peut se passer dans le reste du monde. D'abord, pour être élu dans l'entreprise, il faut être au plus près des salariés. Et je veux dire, la confiance, on l'obtient par les salariés dans l'entreprise. Dès que je vais sur un chantier, si je vois quelque chose qui ne va pas, ben, je ne parle pas que pour les gars de ma boîte. Je parle pour tous les autres. On améliore leurs conditions. Je demande à ce qu'on ait des bungalows, qu'on ait de l'eau potable, comme il est marqué dans le code du travail, comme il est marqué dans les conventions collectives. La CFDT est là pour t'aider, mais par contre, tu participe, tu es acteur de tout ce que l'on va faire. En fait, on va dire clairement, en France, on a une vision de pour être écouté, ben, il faut faire 3 jours de grève et puis après, il y a tellement d'autres façons de pouvoir obtenir ce que l'on souhaite pour les salariés sans passer par le conflit. Et c'est cette notion-là qui m'a fait rester à la CFDT, c'est-à-dire que on sait renverser les tables comme tout le monde, mais avant de renverser la table, on va s'assurer qu'on a fermé toutes les autres portes et qu'il ne reste que l'option renverser la table. Et après, bon, bien, on renversera la table. Après, c'est des rencontres de personnes aussi qui ont été importantes, avec des gens, voilà, qui m'ont apporté voilà, une vision de la société qui m'a bien convenue, des idées qui m'ont bien convenue aussi. Cette envie d'aider les autres, elle était là. Je le faisais, mais je ne m'en rendais pas forcément compte. Et là, en plus, j'ai trouvé une application tous les jours dans ce que je fais. Donc ça me plaît. J'aime cette idée qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. J'ai une fille, je n'ai pas envie de lui offrir la jungle. Moi, j'ai envie de lui offrir. C'est pour elle aussi que je me bats. Donc après, elle aussi, il faudra qu'elle donne de toute façon et qu'elle continue sa part de boulot. Donc c'est ce qu'elle fait. Elle a adhéré. Premier contrat signé, CDD. Et dans la foulée, elle a adhéré. Elle a dit, ça me paraît normal de contribuer au travail que font d'autres militants pour moi.